Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On recommence, ça a coupé. Du coup, on recommence. Ce que j'avais montré. Je suis passée donc à Action et à Nose. Donc aujourd'hui c'est Haul. Pour commencer, Action. En fait, je répète ce que j'ai déjà dit dans ma classe. Donc aujourd'hui il y a ma fille avec moi pour faire le haul. Donc petit papier miroir, rayon enfant. 15 feuilles à 4, 250 grammes. Il y a du rose, du bleu, du vert, du argent. Oui, en plus, c'est marqué. Voilà, c'est marqué là. Il y a ces couleurs. Il faut y aller bas, il y a la base, quoi. Donc, il y a à peu près 3 feuilles de chaque. Donc, j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris des petits bonhommes comme ça. Alors, normalement, c'est pour accrocher au sapin, mais moi, je m'en sers comme décoration. Un petit bonhomme de neige et une petite madame pain d'épices. On s'en est, il est écrasé à lui. Mais non, il n'est pas écrasé. Allez, hop. Ensuite, les stickers lettres, que vous avez déjà dû voir passer. Donc, deux dans les tons violets, deux dans les tons fleurs, comme ceci, fleurs, et un peu jungle. Effectivement, avec la lumière, ça fait des ombres. Bon, j'ai pas le choix. Ce soir. Ensuite, j'ai pris pour des futurs échanges. Je sais que je devais prendre avec Frisquette, pour ceux qui connaissent. L'année prochaine, elle compte faire des échanges sur le thème avec des sacs comme ça mini. Donc, j'en ai pris. Oui, il faut que j'en fasse mes ongles. Et j'en ai pris des Peppa Pig. Je me suis dit, allez, on prend tout. J'ai la Reine des Neiges, j'ai la totale. C'est parti. Ensuite, j'ai repris une petite pelote de laine bleue parce que ben, j'avais besoin de bleu. Voilà. Et pour finir, à Action, un pyjama, pas de patrouille pour mon fils. Donc, on va tester ça ce soir. Il fait grand quand même. Hein. Mais non, c'est sa taille. Donc, j'espère que ça va pas encore couper. Tout à l'heure, ça a coupé à peu près ce temps-là. Ouais. Ouais, à peu près. À 2 minutes et quelques. Donc, ça, c'était pour Action. Ensuite, Nose. Alors, Nose, c'est... Voilà, j'ai essayé le Nose de Agen, j'avais jamais été. Nose, mais il faut pas que j'aille à Nose. Donc, on va commencer surtout avec ma fille. Donc, on va commencer. Un pull que ma fille s'est pris. Voilà. Il n'y a pas la taille, je sais pas. Il est écrit small. Je vais pas regarder la taille. C'est peut-être marqué là. Si, c'est small, bah c'est du S. Voilà. On dirait pas du S. Donc, j'espère que je rentre dedans. Il était à 11 et quelques et il était à moins 50%. Voilà. Donc elle s'est pris ça. Ensuite, elle s'est pris parce qu'elle aime bien. Voilà, des cahiers de jeu. Je vous rappelle quand même qu'elle a. Elle va avoir 17 ans. Mais apprends ça. Arrête, c'est trop bien. C'est trop bien. Elle aime bien, voilà, ça l'occupe. J'aime bien les petits coloriages, ça et tout là. J'aime bien, moi. Ok, elle aime bien, voilà. C'est des collages de Noël. Voilà, donc... J'aime bien pour les coloriers. Donc, le prix, on ne sait pas trop parce que il y avait des cotes au moins 45%, mais le prix, on ne sait pas trop. Bref. Ça doit pas coûter cher. Ça, c'était pour elle. Ensuite... Il y a aussi d'autres trucs. Ah, mais j'ai oublié à Action. J'ai pris ça. Je vais tester. Des petites lumières pour cheveux. Donc, en rose. Voilà. Ouais. Ben, ouais, je préfère ça au multicolore. Vraiment blanc, il n'y en avait plus. Ensuite, j'ai pris des pompons. J'avais pas assez de couleurs. J'ai du bleu, du rouge, du vert, enfin les couleurs basiques. Mais pas en pastel comme ça. Donc là, c'était à 99 centimes. Et il y a... je ne sais pas. Le poids, on ne sait pas. Mais je ne sais pas. Bref, c'est quand même un gros sachet. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petites perles comme ceci. Il y a 200 pompons. Tu sais pas lire. Oh, ouais, ben non, j'ai pas mis une lunette là. 200 pompons. Bon, il y a 200 pompons. Là, j'ai pris des petites perles comme ça, des demi-perles, couleur un peu pastel. Donc là, c'est pareil, 79 centimes et il y en a 200. Et comment vous dire, j'en ai pris un, deux, et que le troisième, il doit être quelque part par là. Et 3. Si j'ai pas assez,
mais voilà, les couleurs me plaisent beaucoup, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai vu des petites fioles, comme ceci, et des plus petites, qui étaient à les 2 à 99 centimes. Donc très bien pour faire des petites fioles de sequins, enfin de paillettes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits embellissements pour décorer des albums ou autres. Voilà, des petits rennes comme ça, avec des pompons. Je trouvais ça plutôt joli. Donc 1,20€ le petit embellissement. Et j'en ai pris deux. Le deuxième, je ne sais pas où il est, quelque part là-dedans. Ouais. Bon, ça c'est ma fille. Ça coûtait pas cher. Des M&M's. Voilà. Tout est pas cher. Ah, mais, oui, 1,25€, oui. 1,25€. Voilà, j'en ai pris deux. Ensuite. Je pensais avoir pris des sachets différents de base. Des petits washi de craft déco. Alors, juste parce qu'en fait, ma fille voulait essayer avec les papillons. Voilà. J'aime pas le rose. Et ben, c'est pas grave, maman prendra celle avec les roses. Voilà. Ouais. Donc, il y avait ceux-là. Et celle-là, c'est moi qui les ai pris, celle-là. Et c'est pris aussi ceux-là. Il est beau le rose là. Bon, même si j'aime pas le rose, mais il est beau. Donc, comme c'est de faire par rapport à... Mais c'est quoi? Je vois pas, mais je vois rien. Des je crois que c'est des patineurs quand ils sont en train de skier, oui, je crois. Ils sont en train de patiner. Des fleurs. Bah, c'est, en fait, c'est pour Noël. Hein. Là, oui. Il y a des flocons, flocons rouges. Oui. Un blanc bah, sur un fond rouge. 250€. 2,50€. Ça aurait fait un peu cher les washi. 2,50€ de la marque Arthos. Je connais pas du tout. C'est la seule boîte. Voilà. Ensuite, et c'est pris des petits feutres noirs. Comme voilà. Si c'est pour les cours. Bon. 2,79€ les 10 avec plusieurs tailles. Ouais. C'est bien ça. Ensuite, j'ai trouvé des petites lettres. Des petites lettres. Des perles avec des lettres. 99 centimes. J'en ai pris un. Ensuite, je me suis pris des pinces comme ça. Bon, en général, ça dépend. Soit j'ai sur la pince, soit j'enlève de la pince. Ça dépend. Ça dépend de ce que je m'en sers. 99 centimes aussi. Donc, j'ai pris celle-là. J'en ai pris des comme ça. Ils sont belles, elles. Il y en a qui sont déjà décollés. Bon, c'est pas très grave parce qu'en général, j'ai des colles en fait. Et je m'en sers pour autre chose. Donc là, pareil, 89 centimes. Et en fait, elles sont toutes. Il y en a beaucoup qui sont déjà décollées. Donc ça, c'est pas très grave. Du moment que la fleur ne se casse pas, c'est le principal. Ensuite. Il y en a d'autres. Oui, j'en ai pris d'autres. Bon, là aussi, ça s'est décollé. Mais regarde, c'est pas très grave. Moi, ça m'arrange. Donc en rose comme c'est ça, rose. Pailleté, ben, c'est rose. Donc là pareil, 99 centimes. Ensuite, j'ai pris plusieurs des petits embellissements en bois. Donc, hop, 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 et je crois que c'est tout. Donc il y a DIY Craft déjà à 89 centimes. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a des fleurs de plusieurs tailles. Et là, nous avons des petits cœurs avec un oiseau dedans. Je trouve ça très joli. Deux oiseaux. Mais là, je voyais pas avec la petite corde. Donc dedans, il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve ça joli. Ensuite, des petits sapins. Donc ça, 79 centimes. J'en ai pris combien? T'as pris deux fois? Non, j'en ai trois fois le même? Oui, mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Ouais. Bah ouais. Bref, 79 centimes. Dedans, il y a un petit mélange. Donc je ne vais pas nous montrer quoi. Donc des petites bottes de Noël, des étoiles, des petites enfant. Biches. Ouais, ah! Tu me fais tout bouger. Je tapais dedans. Donc des étoiles, des sapins, des cloches. Voilà. Pour Noël. Ah bah tiens, mon deuxième petit... Le deuxième. Il est là. T'es caché. Ensuite... C'est à moi. Oui. C'est un collier. C'est un collier.
avec un lettre D. Pourquoi D? Parce que je sais pas. Okay. Il y avait aussi T. Bah pourquoi t'as pas pris le T? J'ai pris le T. Ah bon? Oui. Quelque part. Normalement, je l'ai pris. Quelque part. Là, il y a une. Mais il y a des choses que j'avais pas vues que t'as pris. Bah si. Bah t'as pas. Ah mais il y a pas mais. Il n'y a pas ma lettre T, je l'avais prise. Ben, je sais pas. Ah, c'est prêt aussi. Une croix. Attends, on a du mal à voir avec le. C'est un petit pendentif, une croix. Moi, j'aime bien. Croix. Et c'est pris des petites boucles d'oreilles. Bon, tout est à 75 centimes. Les boucles d'oreilles, 89 centimes. Donc, comme ça. Un petit canard. Et petit canard. Parce qu'elle aime bien les clous. Donc, 89 centimes aussi. Et du coup, là-bas, ma lettre T. Mais, je sais pas. Ça se trouve, on l'a oublié dans le caddie. Peut-être. Et moi, je me suis pris... Ah, bah, tu veux pas... Bref, c'est... Voilà, peace and love. C'est pour moi, par contre. Pareil, 89 centimes. Et ensuite, elle s'est pris des limes à ongles. Tout mini rikiki. C'est pratique. À 49 centimes. Ah, ça va. Pas le prix. Oh, j'ai une photo qui se sauve. Ensuite, j'ai pris des rubans. J'aimais bien la couleur. Rose écrit. Ensuite, j'ai pris des petits. Ah, mince. Et en fait, je crois que je les refasse parce qu'ils sont un peu décollés. Ou enfin, voilà, vous avez compris. Des fois, j'ai la flemme de les faire. Ça me prend à la tête. Voilà. 89 centimes aussi. Et je me suis pris des petits stickers. C'était à 79 centimes. Donc du coup, il y a cela. Sans mode puffy. Il y a tout ce qui est petit biscuit. Voilà. Pareil, tout en puffy. Des petits pieds de Noël. On a celle des pompons. Et Des flocons de neige. Non, mais j'avais cru qu'ils étaient shaker, mais non. Et des flocons de neige. Et en fait, on voit pas trop comme ça, mais ils sont. La couleur est un peu irisée. Donc voilà pour les stickers. Ensuite, un petit ruban comme ceci. Voilà. À 60 centimes. En fait, c'est ça, nous, c'est pas cher à l'unité, mais quand on prend ça, plus ça, voilà quoi. Un autre à 60 centimes, voilà, parce que j'avais pas de comme ça. J'ai beaucoup de rubans, mais pas du comme ça. Ensuite, je me suis pris deux pelotes de laine, encore du bleu, vous me direz. À 2,68€, il y a 100 grammes, et on peut faire 300 mètres avec. Et l'aiguille. Aiguille 3. Voilà. Et c'est de la crique. C'est de la crique. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des blocs de papier. Donc, très contente. Donc, déjà, celui-là, pour faire des boîtes. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez les 24 boîtes déjà. Voilà. Il n'y a plus qu'à les assembler. Coller toute la déco. Tout se détache. Et voilà. Vous assemblez vos boîtes. Ah ben, j'avais même pas fait attention qu'il y avait encore des... Vous voyez pas, mais en fait, voilà. Ça se décolle. C'est des petites branches. Donc là, il y a des petites branches. Là, c'est pareil, mais en rouge. Ouais. Donc, et des vertes et des rouges. Et du coup, on peut faire, voilà,
ce que ça peut donner. Donc, à tester, ça peut être sympa. Et c'est le plus beau. Il y avait aussi celui-là. Donc, je préfère lui. Donc, ces deux blocs-là étaient à 4,50€. Donc, ça peut être sympa à faire, pratique. On ne perd pas de temps avec les boîtes. Hop. Ensuite, on a trouvé ces blocs-là. Donc là, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est qu'apparemment, tout se découpe. Donc voilà, derrière, il y a des papiers. Et il y a des die-cuts à 3,99€. Donc, plutôt sympa. De la marque Studio Light. Moi, j'aime bien cette marque. Ils font des choses sympas. Oui, c'est ça. Ça fait comme ceux d'Action. C'est des... Voilà. Donc, plutôt sympathique. Hop. Donc, petite tour. Il y a aussi des petites choses comme ça. Des petites étiquettes. Mais je crois que c'est par deux, en fait. Oui, en fait, à chaque fois, c'est par deux. Je viens de voir ça. Deux planches à chaque fois. Ouais. Vous aussi entendre mon fils crier derrière nous. Et les papiers, pareil. Il y en a deux de chaque. Et le papier, c'est du... Parce que ça a l'air du épais, quand même. En général, Studio Light, le papier est assez... 177. Oui, 170 grammes. Ça va. Je crois. Je sais, M. Non, mais c'est ça. Ça, c'est du A4. Il y a 6 planches de die cut et 10 planches de papier. Et chaque fois, c'est par deux et il y a 170 grammes. Donc, il y a celui-là. Ensuite, nous avons celui-là, avec le casse-noisette. Donc, je vous montre directement comme ça. Hop, les papiers. Ça change un peu des papiers d'Action. Et, là, plus sur les animaux. Christmas Mood. Voilà. Donc, les papiers. Et pareil, les die-cuts basés sur les animaux et Noël. Donc, sympa pour faire un album avec les photos de chiens ou de chats. Avec nos chiennes. Mmh. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé ceci à Noce. Donc, voilà pour le haul. Je pense que c'est tout, il y a tout, j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. On a retrouvé son collier avec la lettre. C'est ma lettre T, mais la c'est lettre... sur un... Tu envoies le, parce que... Ouais. Ah ben, c'est là. On a retrouvé, il s'était envolé dans les crayons. Dans tes crayons, là. Et oui, il y avait tellement de choses que là, hop, on verra mieux comme ça. Tellement fier de son... Voilà. Il y a un minité et tout. T'as vu? Oui, il y a un minité. Voilà, vous me direz pourquoi t'es pour Tia. Voilà. Il est beau, hein. Si tu le dis. T'es sûr que c'est un collier? Ou un bracelet, je sais pas. Hein. Je dirais un bracelet, hein. Parce que c'est pas très large. Mais dans tous les cas, je peux reprendre le pendentif, je m'en fiche. Oui, aussi. Ah oui. Enfin, c'est un bracelet. Bref. Tiens. Voilà, ouais. Sur ce, bonne soirée. Au revoir.